Gonetta Bardel, c'est toujours la même chose. L'idée, c'est de rendre plus lisible ce grand site, cette combe du Pont d'Arc. Exactement. L'objectif est clairement de retrouver la lisibilité de l'ancien méandre. C'est pas du tout facile, en fait, à percevoir quand on arrive sur le lieu. Donc, on a maintenant une vue sur ce qu'on appelle la falaise percée. Le Pont d'Arc n'est pas un monument, c'est une falaise qui a été percée par la rivière. Avant ça, la rivière suivait son cours sur l'ancien méandre qui fait le tour de la falaise. Et petit à petit, elle a grignoté et elle a fini par creuser l'arche du Pont d'Arc. Si on arrive à la fois par les aménagements, qui sont plutôt des désaménagements, et par quelques éléments très simples de compréhension sur le lieu, à faire passer cette idée-là et ce message-là, on ose espérer que les visiteurs repartiront satisfaits parce qu'ils auront compris sous les yeux et qu'ils auront aussi qu'il y aura une évolution dans leur pratique et le respect du lieu en termes de déchets, de pratiques au quotidien, de respect tout simplement.